Salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la 11e mission. Une 11e mission qui est censée être la plus dure, enfin l'une des plus dures. Moi personnellement je la trouve pas si compliquée que ça. Alors on s'occupe de celui-là dans un premier temps, fais attention que le sniper ne nous regarde pas. On va s'occuper de lui. Hop. Il va se mettre dans le coin là-bas à droite, donc ça va être facile pour nous. Ensuite on va descendre. Ici, vous faites attention qu'il ne regarde pas. Voilà, il ne regarde pas, vous pouvez sauter, il ne reste rien. Hop, on va y aller. Un peu aveugle, hein. Tant mieux pour nous. On va descendre. Voilà, il y en a 2 sur 3, il y a 10 ennemis en tout, c'est le maximum 10, il peut pas y en avoir plus. En tout cas, je pense pas. Ouais, 10 ennemis, il y a plusieurs niveaux, il y en a 3. Le niveau supérieur, il y a 5 ennemis. Le niveau intermédiaire, il y en a 2. Et le niveau inférieur, donc tout en bas, il y en a 3. Dont une cible. On poursuit. Ici, on n'a rien à craindre. Il faut juste descendre. Et une fois qu'on va arriver tout en bas, il va y avoir un ennemi à neutraliser. Donc faites attention, prenez le temps. Surtout qu'il n'est pas marqué sur la carte, on le voit. Mettez-vous à couvert. Regardez où il se situe à peu près. Voilà, donc il est là-bas. Dans ce cas-là, nous on va se mettre ici. Et on va attendre qu'il tourne sur la droite. Et on sera tranquille. Voilà. Voilà. Du coup, ce qui va... là, le problème, c'est qu'on va devoir attendre un petit peu. Car la cible, vous voyez, elle est là. Elle a tendance à être un peu longue. Malheureusement, j'ai raté son cycle. Parce que j'aurais pu la neutraliser plus rapidement que ça, c'est pas très grave. Voilà, mais on peut le faire ici. Ça pose pas de problème, c'est la deuxième. Là, on va remonter, il n'y a plus rien à faire. Attention toutefois. Il me semble... Non, en fait, c'est celui qui est au-dessus qui peut nous voir. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc on pourrait utiliser la grue et partir pour s'occuper de la phase finale, on peut dire comme ça, mais nous, on va prendre l'ascenseur. Attention, en prenant l'ascenseur, vous voyez l'ennemi qui est tout en haut en fait. Vous regardez la carte en bas à droite, il y a un ennemi qui est tout en haut, il faut attendre qu'il fasse demi-tour pour monter. Car sinon, il fait face à vous, et c'est problématique. Ah, donc en fait, il est juste au-dessus là, on va attendre. Là, comme par hasard, il était dans son mauvais cycle, mais on va juste falloir juste être un peu patient. Voilà, alors que là, je vais vous faire voir. Oui, c'est lui là-bas, pas de soucis. Voilà, vous voyez, il part. Donc, on va pouvoir monter. Normalement, l'ascenseur voilà, ça l'interpelle pas. Donc. Voilà, donc cette fois-ci il va nous en rester, si je dis pas de bêtises, 4 ennemis, c'est ça, à neutraliser. Et vous allez voir que ça se complique un tout petit peu plus, rien de bien méchant toutefois. Il va falloir faire gaffe en fait avec la grue. Il faut se mettre à couvert ici, utiliser la grue. Et malheureusement la grue ne nous monte pas tout en haut, elle monte juste à ce niveau-là. Et eux ont tendance à nous voir assez facilement forcément puisqu'on est des escaliers en fait, on voit à travers. On va attendre. Voilà. On va se mettre ici. Et on attend. Voilà. Donc là j'étais dans le bon... je suis arrivé au bon moment, tant mieux pour moi. Allez, on va continuer. Voyez, il est là. Donc, il peut nous voir assez facilement. Je sais pas pourquoi je vais là. Je voulais vous montrer quelque chose. Non, c'est bon.
J'ai rien à vous montrer. Alors que juste les niquer au-dessus, ça pose pas de problème. Ce que je vous déconseille fortement, c'est d'utiliser l'ascenseur, car l'ascenseur, en fait, une fois que vous montez, vous vous retrouvez directement face à l'ennemi. Donc ne le prenez pas, c'est un risque énorme. Nous, on va se mettre ici. Voilà. On voit que l'ennemi est assez loin, mais qui fait demi-tour. Donc là, c'est le moment où faut éviter de prendre des risques. Vous pouvez même utiliser un leurre en attendant. Oui, ceux qui sont au-dessus là ne nous voient pas. Là. Normalement, il devrait apparaître. Voilà. Je pense qu'on peut y aller là. Voilà. C'est impeccable. Donc en fait les ennemis, si vous ne les neutralisez pas, si vous attendez pas et vous êtes un peu plus pressé et vous montez, ils sont ici, tous les deux sont là, vous pouvez le faire exploser, lui va venir ici, après vous passez de brique en brique et vous pouvez le neutraliser aussi, comme quoi il y a toujours plusieurs possibilités. Moi ce que j'aimais faire, alors, attendez, faut que je m'en rappelle, j'évitais de monter par là. On va regarder un peu ce qui se passe ici. On voit qu'il y en a un au fond, mais aussi on voit que l'autre est là-bas. Moi je me rappelle, je faisais pas comme ça. J'attendais en fait tout simplement qu'ils partent. Voilà, c'est ça. Donc là j'attendais. On va regarder ce que fait l'ennemi, vous voyez, il est occupé. Il va venir à un moment donné derrière nous là. Donc nous on va se protéger grâce à ça, à la plaque. Voilà, vous voyez. Il va partir de ce côté. Va nous permettre de neutraliser la dernière cible et le dernier là. Voilà, comme je vous disais, c'était pas la mission la plus compliquée, je trouve, en tout cas. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve du coup pour la mission numéro 12. À tout de suite. Decent drug cooks aren't always easy to come by. The Viceroys are protecting this guy. They can do some major damage here. Yeah, I'm gonna use them. Send a message to any aspiring kitchen crew. Et salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la 12e mission. Une 12e mission qui va être quasiment impossible de le faire tout en infiltration. J'ai regardé un peu de partout dans les guides, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible. Par contre, il y a une solution pour, malgré tout, passer en infiltration. En tout cas, choper la cible et partir sans se faire voir. Ça, c'est tout à fait réalisable. Pour ça, il va falloir être un sacrément patient. On va s'occuper de cette première cible-là. Ensuite, on va se mettre là tranquillement. Voilà, on regarde qu'il n'y ait personne. On va revenir sur hop, cet ennemi ici qui va venir là, donc il va être facile à neutraliser. Soit il va venir ici, soit il va voir son collègue. Normalement, il vient là. Voilà, donc en fait, il voit son collègue. C'est pas grave. Il suffit simplement de se mettre ici. Et d'attendre qu'il y aille. Attention bien sûr au sniper. Dès qu'il a le dos tourné, c'est bon. Voilà, ici il y a 10 ennemis. Donc cherchez pas trop compliqué. L'objectif avant toute chose, ça va être hop, de s'occuper de la cible. Elle est juste ici.
on voit qu'il y a le sniper. Ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est que quand on va attraper la cible, il faut évidemment éviter que les autres nous voient. Donc on va prendre le temps. On voit que là, à ce moment-là, le sniper peut pas nous voir. On va essayer de voir ce qui se passe un peu là-bas. Là, on s'aperçoit qu'à part le sniper, personne ne peut nous voir, donc c'est plutôt pas mal. On va le faire. Pour ça, c'est une technique relativement simple. Donc là, vous voyez, il est revenu, donc ça ne vaut pas la peine. Je vous dis, cette mission, c'est la plus compliquée. On peut nous voir à peu près de partout, toutes les zones. Au-dessus, à droite, à gauche. Ils sont très nombreux, en tout, il y en a 10. Donc c'est super compliqué. Le sniper, là, il est derrière l'arbre, en fait, donc... Oui, lui on va pouvoir l'attirer et le neutraliser, mais pour ça il faut attendre vraiment le bon moment pour le faire. Ça peut prendre un peu de temps parce que lui nous voit, le sniper aussi, donc voilà, lui est parti, c'est bien. Il reste plus qu'à attendre que le sniper nous tourne le dos. Voilà. Là, l'objectif, ça va être de choper celui-là en premier. Et à ce moment-là, hop, de choper la cible. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez plus le choix. Vous êtes obligé de vous battre. C'est comme ça, c'est bizarre, mais... En tout cas, j'ai réussi malgré tout à avoir la cible. D'arriver au moins jusqu'à la cible sans me faire avoir. Donc après, là, c'est du gâteau. Vous faites plaisir. Voilà, donc il en reste un. Juste le temps pour lui d'envoyer une petite bombe. Peut-être même essayer de le neutraliser, ça pourrait être rigolo. Oui, voilà, on a fait le tour. Voilà, donc c'est le seul moyen pour cette mission, en tout cas, d'y arriver. C'est au moins d'arriver jusqu'à la cible, de neutraliser la cible, et à ce moment-là, on est obligé de se battre. Mais c'est déjà plutôt pas mal de faire comme ça. Si vous y arrivez, et ben n'hésitez pas à me dire comment vous faites parce que ça m'intéresse. Voilà. En tout cas d'y arriver en full infiltration. Et ben écoutez, merci à tous et puis on se retrouve pour le 13e. A tout de suite. These gangbangers live in a different world. They're invincible, no matter what dirty shit they pull. Time to wake this guy up. Salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la 13e mission. Une 13e mission qui va faire comme la précédente, c'est-à-dire qu'on va arriver jusqu'à la cible et une fois que la cible sera neutralisée, on va devoir se défaire de nos ennemis. Malheureusement, on n'a pas encore... trouver d'autres solutions. J'ai cherché comme d'habitude dans les guides, etc. J'ai recommencé plusieurs fois certaines zones et je n'ai pas trouvé la méthode miracle. Donc, on neutralise ce premier individu et salut à tous, on se retrouve pour la 13e mission. Une 13e mission qui est trop compliquée pour passer tout en infiltration. Par contre, on va pouvoir atteindre la cible sans se faire repérer. Donc c'est plutôt cool. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Alors qu'il danse, c'est plutôt rigolo. Alors j'ai pas voulu sortir mon arme. J'ai voulu plutôt prendre un leurre, le jeter ici. Et donc... Ah, peut-être que je vais pas pouvoir... Si, c'est bon. Et l'attirer juste là. Faut l'attirer là parce qu'il y en a un autre qui est au fond là-bas. Du coup, on verrait. Voilà, alors que là, derrière le camion... on est en sécurité. Ici, deux ennemis vont venir. Vous voyez. Il y en a un au fond là-bas. Et un ici. Donc nous, on va s'en occuper. On va faire ça intelligemment.
là vous voyez, on ne risque rien, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la zone. Donc, on peut y aller et reculer. Voilà, impeccable. Et plutôt cool cette méthode. Surtout qu'il y en a un autre normalement qui est censé arriver. Alors, je sais pas où il est. Normalement il y arrive, hein. Il vient. Voilà, il doit être au fond, ça doit être. Non, c'est pas celui-là. Bref, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Non, je me suis trompé. Voilà, ici c'est mieux. L'objectif c'est de le faire venir tout simplement là pour qu'il voit son collègue. Son collègue. Hop. Voilà, impeccable. Oh, mon air. Voilà, il l'a vu. Yo, I swear I see something. Une fois que c'est fait, vite vous dépêchez d'aller là. Voilà, parfait. Là, on est à 3,5, donc c'est 3,5. 3 ennemis, mieux. Hop, on se remet à couvert. On va essayer de neutraliser l'ennemi qui est au fond maintenant. Ça fera 4, sachant qu'il y en a 10, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, on va sortir de la zone. Voilà. Et puis on va lancer un leurre. Ici ça va être la mission des leurres. Vous sortez. Impeccable. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va aller au fond. Faire le tour tranquillement, attention de pas trop sortir de la zone, sinon c'est l'échec. Voilà, donc là il y a deux ennemis. Ce qu'on va faire, c'est plutôt simple, ça va être une nouvelle fois d'envoyer un petit leurre là. Voilà. Et l'autre, un autre. Voilà. Comme ça, lui il va. Et on l'a tiré. Ah merde, ça n'a pas marché. Si, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. L'autre n'a pas le temps de s'en apercevoir et vous reculez, bien sûr, très rapidement. Vous allez sur celui-là. Oh! Voilà, vous voyez là, à ce moment-là, il en reste que 4. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est les 4 les plus pénibles. C'est ceux-là qui vont nous poser des problèmes. Malgré tout, on va continuer. Voilà, donc là, un ennemi. Hop, on va prendre la caméra pour vous montrer. Voici la cible. Et un autre ennemi là-bas. Donc lui on va y aller, on va faire le tour, je vais peut-être y arriver en mode infiltration. Voilà, on a continué. On reste calme, hein. On s'excite pas. C'est pas le moment. On est à deux doigts d'y arriver. Faut dire c'est la première fois que j'arrive aussi loin. D'habitude je me fais malheureusement choper avant. Ouais, donc c'est plutôt gênant, comme on peut s'apercevoir, il y en a un de ce côté là et qui regarde de l'autre côté. Normalement il est censé partir à un moment donné. Donc. Voilà, donc en plus il va de ce côté, c'est pas cool. Pas de risque inutile. On va voir ce qu'il fait. Ah, il voit l'ennemi là-bas. Nous, on va pouvoir en profiter pour neutraliser. Allez, avance. Non, il y va pas. Get out there, fun.
Très bien. Bon, du coup, voilà, je vous ai montré presque toute l'infiltration, comment faut presque procéder. Après, il reste plus que ces deux ennemis. C'est déjà très très bien, je peux vous assurer. C'est déjà très bien parce que cette mission, j'ai regardé dans les guides, on n'est pas censé la faire comme ça. C'est trop dur normalement pour la faire comme ça. Vous voyez que malgré tout, on peut y arriver. Donc je suis plutôt content. Pour le dernier, je me suis un peu précipité. J'aurais peut-être dû attendre attendre plus longtemps, mais bon, j'ai pas envie de faire des vidéos d'une demi-heure. Voilà. Eh bien écoutez, c'est plutôt cool. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça sera la 14e, l'avant-dernière. A plus. So many assholes fighting for scraps. Honest people just don't have a chance anymore. Somebody's got to send a message. Et salut à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière mission. Une mission qui va être facile, ça va faire du bien. Après, des missions plutôt compliquées. Cette fois-ci, c'est plutôt tranquille. On va bien vite s'en rendre compte. Pas de difficultés majeures ici. Comme d'habitude, il va y avoir la seule difficulté peut-être possible, c'est qu'à un moment donné, on va être confronté à des gens qui vont être là dans ce bâtiment là, en hauteur. Sinon, non, il n'y a personne, il n'y a aucun problème. Les ennemis sont souvent très esselés, ce qui va nous permettre de les neutraliser facilement. Il y a plusieurs, là, très honnêtement, il y a plein de méthodes pour passer. Faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre la mienne. Il y en a plein, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils sont souvent seuls comme ça, ce qui nous permet de passer tranquille. Ils se retournent même. On va s'occuper donc maintenant du devant. Donc, on va éviter de passer par là quand même. Vous voyez, là c'est plutôt chaud, donc on va courir. Mais même en courant, il ne va pas. Donc. Ici, lui va être important, car lui va décider du sort un peu de ses collègues. Voilà, donc il y en a un autre qui va sortir. Vous voyez, il y en a un qui est juste là, ça peut être dangereux. Voilà, une fois qu'il s'est retourné. Voilà, hop, ça c'est fait, on va se mettre ici, comme ça. Est-ce que j'aurai le temps de repartir? Non, je préfère m'occuper quand même, même si c'est un peu long. Je comprends mon tâche s'il faut. Je préfère qu'ils viennent là. Voilà, on va se mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un leurre. Voilà, ici. De manière à ce qu'ils viennent. Et qu'il voit donc du coup son collègue là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient pas? Je ne sais pas comment venir là. Visiblement il veut pas venir. Bon, on va l'aider. Venir. On va lui tracer comme le petit cousin. On va lui mettre des petits cailloux comme ça. Ça y est, donc là, il a vu son collègue. Vous voyez, tout le monde nous tourne le dos. On peut même le suivre, tranquillement. On se fout un peu de sa tronche. Pas trop longtemps quand même, faut pas s'amuser avec ça. Et là, il va y avoir une petite technique sympathique. On va prendre les conteneurs ici. On va monter. Et on va se retrouver en passant par la fenêtre. Voilà, on va pas faire les malins parce qu'il s'est retourné. Voilà, il y a un ennemi en bas. On va attendre qu'il se retourne. Et il y en a un autre. Je vais essayer de le montrer. On le voit pas bien. Voilà, donc on va attendre. Ça, c'est la cible, hein, celle-là. Voilà, il s'est retourné. Il faut faire ça.
faites gaffe parce que lui il peut vous voir. Ça, ça va être la cible. Ah oui, donc il en reste 4 en fait, total. Ce qui est plutôt pas mal. Là, je vais me mettre là. C'est plutôt mieux. Je préfère envoyer un leurre. J'ai vraiment pas envie de prendre de rite. C'est une mission facile. J'ai pas envie de passer non plus trop de temps. Oh. Hey, what was that? Ah, du coup, hey. C'est bon. C'était juste. Vous avez vu? Voilà, donc une fois que vous avez neutralisé la cible, comme d'habitude. On est poursuivi. Voilà donc pour la 14e. Voilà, comme d'habitude, comme je vous disais, une fois que vous avez neutralisé la cible, c'est foutu. Et bah écoutez, on se retrouve là donc pour la dernière. A tout de suite. Lucky Quinn's club has a foot in every door. Can't do business without bumping into one of these fucks. Well, today I'm counting on it. Et salut à tous, on se retrouve donc pour la toute dernière mission de cette quête annexe. Vous allez voir, c'est peut-être la mission la plus simple des 15 qu'on ait pu faire. Vous pouvez essayer d'autres techniques si vous voulez, elle est relativement facile. Ce qui va être peut-être un peu gênant, ça va être les deux ennemis qui vont être en hauteur en fait. Sinon à part eux, il n'y a pas de problème. Wow. Là on va attendre. Malheureusement il est dans son pattern de retour. Voilà, donc il revient. Malheureusement, on va devoir attendre, mais on peut... c'est tellement simple en fait. La zone est tellement grande que l'on peut tout simplement faire le tour de tous les bâtiments, etc. etc. Voilà. Lui, il va avoir un truc intéressant. Vous allez voir, il y a celui-là qui a la caméra. On va attendre tranquillement qu'il parte. Voilà, parfait. Voilà. Et lui en fait on a l'impression qu'il va nous voir. En fait pas du tout. Restez là. Ah, faut pas qu'il y ait deux qui viennent. Si les deux viennent, non, normalement il est tout seul à venir. Voilà. C'est important de neutraliser tôt celui-là, voilà, pour que celui-là puisse le voir. C'est classique mais bon, ça marche. Ah, je suis pas assez proche pour le mec. Ouais, bon. Un coup de latte, ça marche aussi très bien. Donc, on va regarder ce qui se passe là. J'aurais bien aimé avoir une petite caméra. Si je mets un profiler, peut-être que je vais pouvoir la voir. Pour vous montrer un peu la situation ici. Visiblement, je ne vais pas pouvoir. Bon, pas très grave. Attention, il y a un ennemi en fait de l'autre côté, ici. On va faire le tour, c'est pas gênant. Voilà, il est là. Comme il va pas sortir de la zone, c'est pas très grave. On va attendre qu'il fasse demi-tour. Je sais même pas si on peut, peut-être... non, ouais. Avec les trains, c'est coincé, malheureusement. Pas très grave, on va attendre. Voilà. Pas de soucis. On va retourner de l'autre côté. On fait attention malgré tout. Là il n'y a pas de porte donc ça va. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Il ne nous voit pas. Mais et voilà, c'est les mecs qui sont dessus qui vont être un peu plus gênants. Il y en a deux en fait qui sont tout en haut. Ça va être
le problème en fait de cette mission, c'est ceux qui sont en haut. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre là et on va attendre qu'ils viennent. What? Ouais, donc, normalement, ça doit l'interpeller. J'ai même pas besoin de lancer de l'heure, mais je prends aucun risque. Un nouveau point de compétence, je sais pas, moi je les ai pas utilisés. Je dois en avoir. Attendez, pour rigoler, je vais vous montrer. Je crois que j'en ai. Non, c'est pas ça que je vois, c'est ça. Je dois en avoir 50, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo à la fin. Donc, on arrive ici. On regarde un peu ce qui se passe. On voit qu'il y a deux ennemis. On regarde un peu la situation. Ouais, c'est une situation plutôt compliquée. On va prendre la caméra là. Et on pourra regarder ce qui nous semble logique. Donc on voit qu'il y a une espèce de... Enfin, il faudrait pas qu'il me voit. Ce serait bête de recommencer juste là. Bon, c'est bon, il ne voit pas. On a vu qu'il y avait une espèce de... machine à popcorn. Voilà. Du coup, on va évidemment s'en servir. Hey, who did that? Un autre avantage. Ah, donc là, il a essayé de s'enfuir, mais bon, c'est pas gênant. Et ben voilà, c'est terminé. Écoutez, merci à tous, j'espère que ça va vous aider d'essayer de passer en infiltration. Vous pouvez aussi y aller en mode bourrin à gunfight, c'est tout aussi sympa. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Posez des questions si vous en avez. Puis dites-moi des remarques aussi si ça vous semble juste. Allez, je vous remercie, puis on se dit à très vite pour un prochain guide. Ou alors une prochaine mission secondaire, je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être les tours 7 et OS, on verra ça plus tard. Allez, ciao! Salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la 11e mission. Une 11e mission qui est censée être la plus dure, enfin l'une des plus dures. Moi personnellement je la trouve pas si compliquée que ça. On s'occupe de celui-là dans un premier temps, fais attention que le sniper ne nous regarde pas. On va s'occuper de lui. Hop. Il va se mettre dans le coin là-bas à droite, donc ça va être facile pour nous. Ensuite on va descendre. Ici, vous faites attention qu'il ne regarde pas. Voilà, il ne regarde pas, vous pouvez sauter, il ne risque rien. Hop, on va y aller. Un peu aveugle, hein. Tant mieux pour nous. On va descendre. Voilà, il y en a 2 sur 3, il y a 10 ennemis en tout, c'est le maximum 10, il ne peut pas y en avoir plus. En tout cas, je pense pas. Ouais, 10 ennemis, il y a plusieurs niveaux, il y en a 3. Le niveau supérieur, il y a 5 ennemis. Le niveau intermédiaire, il y en a 2. Et le niveau inférieur, donc tout en bas, il y en a 3. Dont ici. On poursuit. Ici, on n'a rien à craindre. Il faut juste descendre. Et une fois qu'on va arriver tout en bas, il va y avoir un ennemi à neutraliser. Donc faites attention, prenez le temps. Surtout qu'il n'est pas marqué sur la carte, on le voit. Mettez-vous à couvert. Regardez où il se situe à peu près. Voilà, donc il est là-bas. Dans ce cas-là, nous on va se mettre ici. Et on va attendre qu'il tourne sur la droite. Et on sera tranquille. Voilà. Voilà. Du coup,
Ce qui va, là, le problème, c'est qu'on va devoir attendre un petit peu. Car la cible, vous voyez, elle est là. Elle a tendance à être un peu longue. Malheureusement, j'ai raté son cycle. Puisque j'aurais pu la neutraliser plus rapidement que ça, c'est pas très grave. Voilà, mais on peut le faire ici. Ça pose pas de problème, c'est la deuxième. Là, on va remonter, il n'y a plus rien à faire. Attention toutefois. Il me semble. Non, en fait, c'est celui qui est au-dessus qui peut nous voir. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc on pourrait utiliser la grue et partir pour s'occuper de la phase finale, on peut dire comme ça. Mais nous, on va prendre l'ascenseur. Attention, en prenant l'ascenseur, vous voyez l'ennemi qui est tout en haut en fait. Vous regardez la carte en bas à droite, il y a un ennemi qui est tout en haut. Il faut attendre qu'il fasse demi-tour pour monter. Car sinon, il fait face à vous et c'est problématique. Ah, donc en fait, il est juste au-dessus là. On va attendre. Là, comme par hasard, il était dans son mauvais cycle, mais il va falloir juste être un peu patient. Voilà. Alors que là, je vais vous faire voir. Oui, c'est lui là-bas. Pas de soucis. Voilà. Vous voyez, il part. Donc, on va pouvoir monter. Normalement, l'ascenseur, voilà, ça n'interpelle pas. Donc. Voilà, donc cette fois-ci il va nous en rester, si je dis pas de bêtises, 4 ennemis, c'est ça, à neutraliser. Et vous allez voir que ça se complique un tout petit peu plus, rien de bien méchant cette fois. Il va falloir faire gaffe en fait avec la grue. Il faut se mettre à couvert ici, utiliser la grue. Et malheureusement la grue ne nous monte pas tout en haut, elle monte juste à ce niveau-là. Et eux ont tendance à nous voir assez facilement forcément puisqu'on est des escaliers en fait, on voit à travers. On va attendre. Voilà. On va se mettre ici. Et on attend. Voilà. Donc là j'étais dans... je suis arrivé au bon moment, tant mieux pour moi. Allez, on va continuer. Voyez, il est là. Donc, il peut nous voir assez facilement. Je sais pas pourquoi je vais là. Je voulais vous montrer quelque chose. Non, c'est bon. J'ai rien à vous montrer. Alors que juste l'ennemi qui est au-dessus, ça pose pas de problème. Ce que je vous déconseille fortement, c'est d'utiliser l'ascenseur, car l'ascenseur, en fait, une fois que vous montez, vous vous retrouvez directement face à l'ennemi. Donc ne le prenez pas, c'est un risque énorme. Nous, on va se mettre ici. Voilà. On voit que l'ennemi est assez loin, mais qui fait demi-tour. Donc là, c'est le moment où il faut éviter de prendre des risques. Vous pouvez même utiliser un leurre en attendant. Vous voyez, ceux qui sont au-dessus là ne nous voient pas. Là. Normalement, ils devraient apparaître. Voilà. Je pense qu'on peut y aller là. Voilà. C'est impeccable. Donc en fait les ennemis, si vous ne les neutralisez pas, si vous attendez pas et vous êtes un peu plus pressé et vous montez, ils sont ici, tous les deux sont là, vous pouvez le faire exploser, lui va venir ici, après vous passez de brique en brique et vous pouvez le neutraliser aussi, comme quoi il y a toujours plusieurs possibilités. Moi ce que j'aimais faire, alors, attendez, faut que je m'en rappelle, j'évitais de monter par là. On va regarder un peu ce qui se passe ici. On voit qu'il y en a un au fond, mais aussi on voit que l'autre est là-bas. Donc
Moi je me rappelle, je faisais pas comme ça. J'attendais en fait tout simplement qu'ils partent. Voilà, c'est ça. Ouais, donc là j'attendais. On va regarder ce que fait l'ennemi, vous voyez, il est occupé. Il va venir à un moment donné derrière nous là. Donc nous on va se protéger grâce à ça, à la plaque. Voilà, vous voyez, il va partir de ce côté. Ce qui va nous permettre de neutraliser la dernière cible. Et le dernier là, voilà, comme je vous disais, c'était pas la mission la plus compliquée, je trouve en tout cas. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve du coup pour la mission numéro 12, à tout de suite. Decent drug cooks aren't always easy to come by. The viceroys are protecting this guy. And do some major damage here. Yeah, I'm gonna use them. Send a message to any aspiring kitchen crew. Et salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la 12e mission. Une 12e mission qui va être quasiment impossible de le faire tout en infiltration. J'ai regardé un peu de partout dans les guides, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible. Par contre, il y a une solution pour, malgré tout, passer en infiltration. En tout cas, choper la cible et partir sans se faire voir. Ça, c'est tout à fait réalisable. Pour ça, il va falloir être sacrément patient. On va s'occuper de cette première cible-là. Ensuite, on va se mettre là tranquillement. Voilà, on regarde qu'il n'y ait personne. On va revenir sur... cet ennemi ici qui va venir là, donc il va être facile à neutraliser. Soit il va venir ici, soit il va voir son collègue. Normalement il vient là. Voilà, donc en fait il voit son collègue, c'est pas grave. Il suffit simplement de se mettre ici et d'attendre qu'il y aille. Attention bien sûr au sniper, dès qu'il a le dos tourné c'est bon. Voilà, ici il y a 10 ennemis, donc cherchez pas trop compliqué. L'objectif avant toute chose, ça va être hop, de s'occuper de la cible. Elle est juste ici. On voit qu'il y a le sniper. Ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est que quand on va attraper la cible, il faut évidemment éviter que les autres nous voient. On va prendre le temps. On voit que là, à ce moment-là, le sniper ne peut pas nous voir. On va essayer de voir ce qui se passe un peu là-bas. Là, on s'aperçoit qu'à part le sniper, personne ne peut nous voir, donc c'est plutôt pas mal. On va le faire. Pour ça, c'est une technique relativement simple. Donc là, vous voyez, il est revenu, donc ça ne vaut pas la peine. Je vous dis, cette mission c'est la plus compliquée, on peut nous voir à peu près de partout, toutes les zones, au-dessus, à droite, à gauche, ils sont très nombreux, en tout il y en a 10, donc c'est super compliqué. Le sniper là il est derrière l'arbre en fait, donc oui, lui on va pouvoir l'attirer et le neutraliser, mais pour ça il faut attendre vraiment le bon moment pour le faire. Ça peut prendre un peu de temps parce que lui nous voit. Le sniper aussi, donc voilà, lui est parti, c'est bien. Il reste plus qu'à attendre que le sniper nous tourne le dos. Voilà. Là, l'objectif, ça va être de choper celui-là en premier. Et à ce moment-là, hop, de choper la cible. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez plus le choix. Vous êtes obligé de vous battre. C'est comme ça, c'est bizarre, mais... En tout cas, j'ai réussi malgré tout à avoir la cible.
d'arriver au moins jusqu'à la cible sans me faire avoir. Donc après là c'est les gâteaux. Vous faites plaisir. Voilà, donc il en reste un. Juste le temps pour lui d'envoyer une petite bombe. Peut-être même essayer de le neutraliser, ça pourrait être rigolo. Oui, voilà, on a fait le tour. Voilà, donc c'est le seul moyen pour cette mission, en tout cas, d'y arriver. C'est au moins d'arriver jusqu'à la cible, de neutraliser la cible, et à ce moment-là, on est obligé de se battre. Mais c'est déjà plutôt pas mal de faire comme ça. Si vous y arrivez, eh ben, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, parce que ça m'intéresse. Voilà. En tout cas, d'y arriver en full infiltration. Eh ben, écoutez, merci à tous, et puis on se retrouve pour le 13ème. A tout de suite. Gangbangers live in a different world. They're invincible, no matter what dirty shit they pull. Time to wake this guy up. Salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la 13ème mission. Une 13ème mission qui va faire comme la précédente, c'est-à-dire qu'on va arriver jusqu'à la cible et une fois que la cible sera neutralisée, on va devoir se défaire de nos ennemis. Malheureusement, on n'a pas encore... cas trouver d'autres solutions. J'ai cherché comme d'habitude dans les guides, etc. J'ai recommencé plusieurs fois certaines zones et je n'ai pas trouvé la méthode miracle. Donc, on neutralise ce premier individu et salut à tous, on se retrouve pour la 13ème mission. Une 13ème mission qui est trop compliquée pour passer tout en infiltration. Par contre, on va pouvoir atteindre la cible sans se faire repérer. Donc c'est plutôt cool. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Alors qu'il danse, c'est plutôt rigolo. Alors j'ai pas voulu sortir mon arme, j'ai voulu plutôt prendre un leurre, le jeter ici. Et donc, ah peut-être que je vais pas pouvoir... Si c'est... Et l'attirer juste là. Faut l'attirer là parce qu'il y en a un autre qui est au fond là-bas, du coup il nous verrait. Voilà, alors que là, derrière le camion... on est en sécurité. Ici, deux ennemis vont venir. Vous voyez. Il y en a un au fond là-bas. Et un ici. Donc nous, on va s'en occuper. On va faire ça intelligemment. Voilà, donc là, vous voyez. On ne risque rien, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la zone. Donc, on peut y aller et reculer. Voilà, impeccable. Et plutôt cool cette méthode. Surtout qu'il y en a un autre normalement qui est censé arriver. Bon, je sais pas où il est. Normalement, il y arrive. Hein. Il vient. Voilà, il doit être au fond. Ça doit être. Non, c'est pas celui-là. Bref, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Non, je me suis trompé. Voilà, ici c'est mieux. L'objectif, c'est de le faire venir. Tout simplement là. Pour qu'il voit son collègue. Son collègue. Hop. Voilà, impeccable. Hein? Voilà, il l'a vu. Yo, I swear I see something. Une fois que c'est fait, vite vous vous dépêchez d'aller là. Voilà, parfait. Là, on est à 3 ennemis, donc c'est 3 ennemis. 3 ennemis, mieux. Hop, on se remet à couvert. On va essayer de neutraliser l'ennemi qui est au fond maintenant. Ça fera 4, sachant qu'il y en a 10, comme d'habitude, vous allez me dire. On va sortir de la zone.
Voilà. Et puis on va lancer un leurre. Ici, ça va être la mission des leurres. Vous sortez. Impeccable. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va aller au fond. On va faire le tour tranquillement. Attention de ne pas trop sortir de la zone, sinon c'est l'échec. Voilà, donc là il y a deux ennemis. Ce qu'on va faire, c'est plutôt simple. Ça va être une nouvelle fois d'envoyer un petit leurre là. Voilà. Et l'autre, un autre. Voilà. Comme ça, lui il va. Et on l'attire. Ah merde, ça n'a pas marché. Si, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. L'autre n'a pas le temps de s'en apercevoir et vous reculez bien sûr très rapidement. Vous allez sur celui-là. Voilà, vous voyez là, à ce moment-là, il en reste que 4. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est les 4 les plus pénibles. C'est ceux-là qui vont nous poser des problèmes. Malgré tout, on va continuer. Voilà, donc là, un ennemi. Hop, on va prendre la caméra pour vous montrer. Voici la cible. Et un autre ennemi là-bas. Donc lui, on va y aller. On va faire le tour. Je vais peut-être y arriver en mode infiltration. Voilà. On a continué. On reste calme. Hein. On s'excite pas. C'est pas le moment. On a deux doigts d'y arriver. Faut dire, c'est la première fois que j'arrive aussi loin. D'habitude, je me fais malheureusement choper avant. Ouais, donc c'est plutôt gênant, comme on peut s'apercevoir, il y en a un de ce côté là et qui regarde de l'autre côté. Normalement il est censé partir à un moment donné. Donc. Voilà, donc en plus il va de ce côté, c'est pas cool. Pas de risque inutile. On va voir ce qu'il fait. Ah, il voit l'ennemi là-bas. Nous, on va pouvoir en profiter pour neutraliser. Allez, avance. Non, il y va pas. Très bien. Du coup, voilà, je vous ai montré presque toute l'infiltration, comment faut presque procéder. Après, il reste plus que ces deux ennemis. C'est déjà très très bien, je peux vous assurer. C'est déjà très bien parce que cette mission, j'ai regardé dans les guides, on n'est pas censé la faire comme ça. C'est trop dur normalement pour la faire comme ça. Vous voyez que malgré tout, on peut y arriver. Donc je suis plutôt content. Pour le dernier, je me suis un peu précipité. J'aurais peut-être dû attendre ou attendre plus longtemps, mais bon, j'ai pas envie de faire des vidéos d'une demi-heure. Voilà. Eh bien écoutez, c'est plutôt cool. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça sera la 14e, l'avant-dernière. A plus. So many assholes fighting for scraps. Honest people just don't have a chance anymore. Somebody's got to send a message. Et salut à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière mission. Une mission qui va être facile, ça va faire du bien. Après des missions plutôt compliquées, cette fois-ci c'est plutôt tranquille. On va bien vite s'en rendre compte. Pas de difficultés majeures ici. Comme d'habitude, il va y avoir la seule difficulté peut-être possible, c'est qu'à un moment donné,
on va être confronté à des gens qui vont être là dans ce bâtiment là en hauteur. Sinon non, il y a personne, il y a aucun problème. Les ennemis sont souvent très esselés, ce qui va nous permettre de les neutraliser facilement. Il y a plusieurs là, très honnêtement, il y a plein de méthodes pour passer. Faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre la mienne. Il y en a plein, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils sont souvent seuls comme ça, ce qui nous permet de passer tranquille. Ils se retournent même. On va s'occuper donc maintenant du devant. Donc, on va éviter de passer par là quand même. Hop. Vous voyez, là c'est plutôt chaud, donc on va courir. Et même en courant, il ne voit pas. Donc. Ici, lui va être important, car lui va décider du sort un peu de ses collègues. Voilà, donc il y en a un autre qui va sortir. Oui, il y en a un qui est juste là, ça peut être dangereux. Voilà, une fois qu'il s'est retourné. Voilà. Hop, ça c'est fait. On va se mettre ici. Comme ça. Est-ce que j'aurai le temps de partir? Non, je préfère m'occuper quand même, même si c'est un peu long. Je couperai au montage s'il faut. Je préfère qu'il vienne là. Voilà. On va se mettre ici, et ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un leurre. Voilà, ici. De manière à ce qu'ils viennent. Et qu'ils voient donc du coup son collègue là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient pas? Je vais pas venir là. Visiblement il veut pas venir. Bon, on va l'aider. Ah, il va venir. On va lui tracer comme le petit poussin. On va lui mettre des petits cailloux comme ça. Ça y est, donc là, il est son collègue. Vous voyez, tout le monde nous tourne le dos. On peut même me suivre, tranquillement. On se fout un peu de sa tronche. Pas trop longtemps quand même, faut pas s'amuser avec ça. Et là, il va y avoir une petite technique sympathique. On va prendre les conteneurs ici. On va monter. Et on va se retrouver en passant par la fenêtre. Voilà, on va pas faire les malins parce qu'il s'est retourné. Voilà, il y a un ennemi en bas. On va attendre qu'il se retourne. Et il y en a un autre, je vais essayer de le montrer, on le voit pas bien. Voilà, donc on va attendre. Ça c'est la cible, hein, c'est le coup. Voilà, il s'est retourné, il faut faire ça. Faites gaffe parce que lui il peut vous voir. Ça ça va être la cible. Ah oui, donc il en reste 4 en fait, total. Qui est plutôt pas mal. Là je vais me mettre là. C'est plutôt mieux. Je préfère envoyer un leurre, j'ai vraiment pas envie de prendre de rythme, c'est une mission facile, j'ai pas envie de passer non plus trop de temps. Hey, what was that? Ah du coup, hey. C'est bon, c'était juste, vous avez vu, voilà, donc une fois que vous avez neutralisé la cible, comme d'habitude, on est poursuivi. Voilà donc pour la 14e. Voilà, comme d'habitude, comme je vous disais, une fois que vous avez neutralisé la cible, c'est foutu. Et bah écoutez, on se retrouve là donc pour la dernière. A tout de suite. Lucky Quinn's Club has a foot in every door. Can't do business without bumping into one of these fucks. Well, today I'm counting on it.
Et salut à tous, on se retrouve donc pour la toute dernière mission de cette quête annexe. Vous allez voir, c'est peut-être la mission la plus simple des 15 qu'on ait pu faire. Vous pouvez essayer d'autres techniques si vous voulez, elle est relativement facile. Ce qui va être peut-être un peu gênant, ça va être les deux ennemis qui vont être en hauteur en fait. Sinon, à part eux, il n'y a pas de problème. Wow! Là, on va attendre. Malheureusement, il est dans son pattern de retour. Voilà, donc il revient. Malheureusement, on va devoir attendre. Mais on peut... c'est tellement simple, en fait. La zone est tellement grande que l'on peut tout simplement faire le tour de tous les bâtiments, etc., etc. Lui, il va avoir un truc intéressant. Vous allez voir, il y a celui-là qui a la caméra. On va attendre tranquillement qu'il parte. Voilà, parfait. Something's over there. Et lui, en fait, on a l'impression qu'il va nous voir. En fait, pas du tout. Restez là. Ah, faut pas qu'il y ait deux qui viennent. S'il les deux vient, normalement, il est tout seul à venir. Voilà. What the fuck? C'est important de neutraliser tôt celui-là, voilà, pour que celui-là puisse le voir. C'est classique, mais bon, ça marche. Ah, je suis pas assez proche pour le neutraliser. Voilà, bon. Un coup de latte, ça marche aussi très bien. Donc, on va regarder ce qui se passe là. J'aurais bien aimé avoir une petite caméra. Si je mets un profileur, peut-être que je vais pouvoir la voir. Pour vous montrer un peu la situation ici, visiblement je ne vais pas pouvoir, bon, pas très grave. Attention, il y a un ennemi en fait de l'autre côté ici, donc on va faire le tour, c'est pas gênant. Voilà, il est là. Comme il va pas sortir de la zone, c'est pas très grave. On va attendre qu'il fasse demi-tour.